Alors là, on est au passage, ouais, environ 16-17e kilomètre là. Comment il est tout content là? Ouais, bah, ça fait 16 km, ça fait 1h15, mais dans les temps, avec à droite le lion. C'est lent, hein? C'est ce qu'il fait. Donc là, on va repartir vers l'OCR. Rendez-vous dans une dizaine de minutes. Hein. Je sais pas si vous voyez là la pointe de l'Ossuaire. Thomas il est tout content parce qu'on y arrive bientôt. On n'aura plus que 30 km à faire. Pour pisser. Ah, si j'ai envie de pisser, moi j'ai envie de poser une pêche, mais j'ai envie de tenir. Parce que j'ai pas de papier. Personnellement là j'en peux plus. Là. Ça fait trop mal les jambes. J'ai plus eu de sensation. Enfin si, des mauvaises en fait. Avec l'autre con qui arrête pas de faire le yo-yo, revenir, repartir. Et l'ossuaire là. Génial l'ossuaire. Hein. Bonjour l'ossuaire. Bonjour l'ossuaire. Hey, Thomas, je viens d'avoir une idée. Si on allait à l'ossuaire pour voir s'il n'y a pas des morceaux de jambes là. Bon, à partir de maintenant, il nous reste à peu près 15. Jusqu'à Verdun? Ouais. Ouais, 10, 15 km. Faut compter 5 km jusqu'à Bras. Et après 9 pour arriver chez Thomas. Escarpé le café. Voilà, bon, donc là on a un petit ravitaillement. Là on va s'arrêter 2 minutes. Ah Thomas, on va s'arrêter 2 minutes là. Ravitaillement. Ça s'appelle une fontaine eau non traitée. Hein? Même lavage de jambes. Ouais. Donc voilà, donc on repart dans 2 minutes, là ça fait 1h33 qu'on court. Ah ça fait un des coups. Donc voilà, donc dans 5 km on sera à Bras. Donc voilà là. On n'en peut vraiment plus là. Ah Thomas qu'on sature là. Ouais. On n'en peut plus, ça fait 2 heures. Et on est à Bras-sur-Meuse. On est à Bras, ça fait 2 heures. Ouais. Prochain village, Charny. Et à Charny, il va nous rester une petite dizaine de kilomètres. Et là, on n'en peut plus. Hein. Personnellement, le cœur. Et la respiration, ça peut encore aller. Mais les jambes, ça répondent plus du tout. En fait, ça tient qu'à un fil, c'est le mental. Ah oui, Thomas. Et puis l'amitié. Ah, exactement, l'amitié, voilà. En plus, certainement, j'ai des très cons. Il pleut, il fait froid. Les branleurs là, bah, ils ont des débardeur. Je ne fais pas deux fois la même bêtise. Là nous on sort de Charny, on n'avance plus du tout. Hein. Ah Thomas qu'on n'avance plus. On avance plus. Ah non là on est sur les rotules là. On n'en peut plus là. Mais bon, il n'y en a plus pour beaucoup là. Dans 1 heure. Non, dans 1 heure on aura fini, c'est certain. Mais bon, la grande question est, est-ce qu'on va réussir à finir en courant ou est-ce qu'on va être obligé de s'arrêter? C'est ça la grande question. Mais bon, Thomas et moi on a un statut d'outsider à défendre. On représente le SAV. Et à quoi du SAV? Ça abandonne pas. Dernière petite parole, Thomas. Bah, une dernière petite parole. Ça fait depuis 2h20 et voilà. On va non, il déconne, hein, ça fait que 2h15. Faut pas négliger les minutes. Hein. C'est ce que ça fait, hein. C'est clair. Mais bon, on n'en peut plus là. On n'en peut plus du tout. Prochain rendez-vous à